va du classique au contemporain. Alors il y a des hommages, il y a des clins d'œil, il y a des. Mais c'est vraiment. On est en Asie, en Indonésie, en Afrique, dans du jazz, dans des moments romantiques. Donc on pense à tout ce qu'on aime nous tous, quoi. Des Morton Feldman, du Chopin, du Mahler, Hancock. Moi, ce que j'aime, c'est les couleurs, c'est les impressions. J'aime beaucoup les compositeurs impressionnistes, quoi. Je sais que Steve est aussi très en demande de choses et de couleurs musicales qui peuvent être aussi un peu surprenantes dans certains morceaux. Parce qu'en fait, on arrive sur des morceaux qui partent dans une certaine direction, puis hop, on arrive avec des couleurs harmoniques, par exemple, à aller complètement ailleurs. On a des modes et des gammes différentes, donc il y a des morceaux, on va plutôt avoir des gammes balinaises, des gammes indiennes. Après, c'est à nous de faire le mix entre tout ça. Et puis après, c'est le jeu qui va faire qu'on va plutôt aller tirer vers le jazz ou plutôt vers le classique. Dans une aventure qui, j'espère, va nous porter tous vers autre chose, vers d'autres ouvertures, qui inclut toujours des valeurs que j'ai toujours aimées. Donc, quelque part, c'est pas non plus une césure complète, c'est vraiment un développement, quoi. Et cet instrument me le permet, donc évidemment, c'est excitant.